Dans le lointain apparaît un groupe de femmes, un groupe assez indistinct, comme une nébuleuse composée de taches multicolores qui avance vers nous dans un mouvement à la fois lent et précipité. Puis tout se précise et ce que nous avions peut-être pris pour une masse revendicative quelconque s'avère être un défilé de mannequins de mode. Ce groupe bigarré, formé des plus belles et élégantes créatures qui se puissent rencontrer, pénètre dans un lieu étrange, inquiétant et désolé, où s'érigent des espèces de cages de bois, entre les madriers desquels il semble que ces femmes vont être parquées, prisonnières avant d'être livrées au mystérieux personnage, Mora, interprété par Philippe Léotard, que, quelques instants auparavant, nous avons vu rôder dans une autre dépendance de cet abattoir. Car ce lieu est un abattoir, encore fumant du sang des bêtes. Mora, l'insatiable voyeur, le reporter photographe, dévoré par sa passion professionnelle, toujours armé de sa caméra, qu'il braque sur tout ce qui s'offre à lui, prenant cliché sur cliché, photographiant même pour s'en emparer, à l'instar de Prométhée, le feu qui s'échappe par la gueule des fours en activité. Mora, c'est une sorte de cyclope dont la caméra constitue à la fois son troisième œil et l'œil unique. Poursuivi, ainsi il va, dans une atmosphère de guerre civile où l'amour sera terrassé et sali, photographiant les enfants qui fuient devant les soldats, ces soldats eux-mêmes qui se ruent sur lui, et alors qu'il capte le visage d'Aline, Ariel baisse, faisant décrire un léger mouvement à son appareil, il enregistre la mort d'un homme abattu en pleine rue et dont l'index accusateur se dresse en un dernier spasme d'agonie. Cet homme, cet index vont désormais planer sur l'action subséquente et pour ainsi dire en fixer les lois. Le film de Léon Descloseaux baigne dans un climat à la fois réaliste et onirique, avec des rêves dominés par de monstrueux crocs de boucher ou alors l'apparition nocturne de cette femme nue, Pamela Prati, plus que nue même, parce qu'en bas noir et porte-jartelle, qui danse dans les bras d'un étonnant personnage à l'élégance et désinvolture inquiétante, Bob Rafelson. La moins poignante des séquences n'est pas celle de la fin, où l'on voit Mora, les bras chargés du précieux fardeau que constitue la morte, entreprendre une harassante marche funèbre dans les rues qui se vident à son approche, où les rideaux se ferment avec un bruit de couperet. Les dernières images sont d'une fixité tragique comme l'œil du cadavre et le sang noir qui se coagule et plus insoutenable que le rouge. Mora, film de Léon Descloseaux, Léo Mallet.